Ah merde, d'accord. Mais écoute, moi je suis d'accord. Et ben je suis au bistrot, tu sais, où on déjeune. Mais en fait, ça fait beaucoup penser aux plus mauvaises séries japonaises qu'on voyait dans les pour l'histoire là. Non, non, pour l'histoire. Pour l'histoire de. Vraiment l'histoire. Et l'histoire du Fifi Bro aussi. Là, tu as les Working Girls de la com. Bah, c'est qui ne voient pas de film et qui ne voient rien du tout. Et en tout cas, c'est les meilleurs, c'est ça qui est le plus intéressant. Allez, go. Tu vas nous voir, tu vas pouvoir voir nos opus de séance. A tout à l'heure. Et donc il y a Divine. Alors comment est-ce qu'on fait? Ben si c'est taxi, tu gardes la note, je te rembourse. Et sinon, il faut voir avec Laura si on. Mais elle ne peut pas se déplacer toute seule, ils lui font un bénévole avec elle en permanence. Donc l'idéal c'est un ange gardien et qui lui appelle un taxi quand il a besoin. Il faut voir Hugo. Parce que moi si je fais ça, je fais rien d'autre. Eh oui, il faut voir Hugo, les outres. Ah mais en permanence. Ah mais non mais. Ouais mais attends, c'est loin les trucs. Je comprends tout à fait. Ciné, je l'ai porté pour aller pour aller pisser. Pour en plus, s'il la trouve pas, il faut l'aider à la trouver. Non, mais quand t'as mal au hanche, Il a fait des mauvaises pisses dessus, je t'ai dit de rectifier ce petit peu. Tu vois jamais, je te prendrai dans l'orgasme. C'est un petit peu de merde, c'est un sale con. On le coince, ce truc. Tu parles la dernière fois, il y a deux ans, mais là c'est lui qui t'a mis cette date abusive, parce qu'on n'a pas esté au tribunal compétent contre le fait qu'ils n'avaient pas d'autorisation et on a 4000 euros de dommages intérêts. Donc il y a Manu Chao qui va venir dans 15 vous jours. Pas dans 10 jours, on fait je tout ça avec Manu Chao. Pas cohérent en fait. Et 5-6 milliards. Non, mais c'est pour rembourser les 4 000 euros. Heureusement qu'on a du monde. Je vous trouve pas cohérent. Vous voulez sauvegarder une zone humide et vous luttez contre un barrage. C'est quoi un barrage si c'est pas une grosse zone humide? Mais un barrage. T'es dans le pédalo, toi. Mais non, mais soyez cohérents, les mecs. Vous aurez encore plus de moustiques avec un barrage. Si c'est ça que vous voulez. Et à Groland, les moustiques, on aime ça. Non, nous, on fait des barrages contre les barrages. Voilà. Et l'animateur du collectif dans lequel on fait plein de choses. Ah, ben voilà. En plus voilà. Protégé avec des grands murs en béton. Non, non. Elle va servir à 20 agriculteurs qui vont se regrouper pour te faire des fers. Et bien c'est 20 agriculteurs de moins qui se suicideront pas. Parce que mais ils se suicident les agriculteurs de la FNSEA. Je parle pas des autres. Eux ils se suicident pas, ils font du bio. Pas suffisamment. Ils s'entretuent à la chasse parce que ça les... Non, non, mais ils s'entretuent, ils s'entretuent. Parce que les seuls agriculteurs qui se suicident, ce sont les agriculteurs de la FNSEA. Les copains de José Bové, ils se suicident pas, ils bossent. Ouais, mais ils ont lutté, mais ils n'ont pas eu leurs actes, tu vois. Donc ouais. C'est bien que les jeunes étaient d'accord avec moi, en plus, c'est juste pour fais-moi un gros bisou, fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Allez, c'est ça, allez, on en profite. Hein. Non, c'est juste que ces jeunes, ils ont pas raison de bouger. Vive le barrage! Vive le barrage! Contre le Pacifique! Garde à Rennes ou barrage! C'est revenu. C'est juste pour... Pédalo vaincra. JP, si je me souviens bien, il m'a dit « Allez, moi, Chine, j'adore les zones humides. » C'est pas ça que tu m'as dit. Et il m'a laissé sous-entendre tous les gens des zones humides. Mais c'est un dessin que j'avais fait pour Ciné Hebdo. À l'époque, il y avait une histoire de zones humides, tu sais, dans les maisons qui devaient raser après les inondations sur la côte ouest. Le poil maintient l'humidité. Et c'était en fait...
Sarkozy contre les zones humides, et le dessin, il rasait la chatte de sa femme, tu vois. Laquelle? La première. La numéro 2. Celle qui chante. Pas la numéro 3, en fait. Celle qui a pas de cerveau. Celle qui a numéro 3. Alors. Celle qui a du botox. La première avait fait. Non, c'est la troisième en fait. Oui, c'est la troisième, t'as raison. C'est la troisième. C'est la troisième. Je pourrais jamais prendre ma carte à l'UMP avec tout ce qu'il file. Est-ce qu'on s'est déjà vu aujourd'hui? C'est une que j'ai faite moi. On s'est déjà vu aujourd'hui, c'est fait. Ah si, on s'est vu ce matin. Si, vous êtes là. C'est déjà un autre jour. Vous êtes là. Moi, je suis l'absent ce soir parce que je me suis engagé à présenter le film de mes copains, l'église à Tressa-Pesra, qui malheureusement... Oui, ça. J'ai droit à mettre un rapport. Tu t'es engagé. Je suis engagé. Engagez-vous, re-engagez-vous. Voilà, c'est-à-dire un militant, il a l'uniforme à l'intérieur et il s'engage. C'est la même chose. Militant engagé. Pourquoi on dit militant engagé? Si c'est un oxymore, ça ne fait pas un âge. Toi, tu seras là à 9h. Ce soir? Ouais. Oui, je vais. Non, il a déjà un film à voir en présence à 7h30. J'ai même un film. Tu nous récupères tout le monde, tu nous récupères Raoul, tu nous récupères Boudou, tu nous récupères Tannier. J'y vais, ça sera déjà pour la soirée. Pourquoi je t'ai annoncé massivement? À la carte poésie. J'arriverai, ça sera pour la soirée. Avec Boudou. Enfin. Je n'ai pas dit que c'est l'équipe très lourd. J'arrête pas de recevoir des textos dans la place de tous les gens de la ZAD, qui se tuent tout ça dans le temps, j'arrête pas. Tu sais que c'est le premier, le deuxième. Si je ne vois plus les cas, il manque Manu. Ouais, il manque Manu. Manu, il descendra pas. Il est à Paris, là, il descendra pas. Enfin, déjà, tous les trois, ça me fait plaisir. Prêt pour la nouvelle campagne. Tu peux le comprendre, Fatih? Oui, oui, oui. Ah bon, bah, ça me fait plaisir. La grosse campagne. Ah ben, la soutane. Attends, tu peux pas dire ça, il y a Alessandro qui arrive. On n'oserait plus faire ça. Ah, c'est ce que j'allais dire. Voilà, voilà. Ça, en vente libre dans les kiosques comme c'était. Moi, j'ai celui avec Anémone. Impossible. C'est impossible, j'en ai pas pu le dire. Le marché qui fume un joint. Ah ouais, bon, c'est pas trop. Ah, mais déjà que sur les courts-métrages sur Besançon, il y a des gens qui ont quitté la salle et qui ont scandale. C'est pas vrai. Ah, c'est vrai. Ah ben les intégristes, ça aime pas qu'on rigole avec les icônes. C'est pas vrai. Sa première fois. Je te signale que le film, mon nouveau métrage, il y a une mort de cochon en direct. C'est nul. Tout ça saigne. C'est nul. Le saigne, non, ils veulent l'interdire au moins de 12 ans. C'est nul, entendre. Si j'ai un film, je suis sur la pièce d'Amérique. J'ai interdit moins de 12 ans. C'est vraiment nul. Un cochon saigné. Moi j'ai du mal, perso. Avec quoi? La mort du cochon. Sur les. Ouais, sur les. Tu vois, mais t'as pas de c'est aux bouquinistes. Moi aussi. Moi je voyais dans la femme de mon oncle, je voyais les animaux là. Je les caressais. On les soignait, on les aimait et on les tuait. Et on les mangeait. Et on les mangeait. Là, je suis très impressionné. En vieux, je dirais pas, mais j'ai le raclé qui a été retiré en France. Ah ouais, lequel? Pas le tragique. Attention à la saucisse. Un peu plus bon. Ah ouais, mais c'est une bite. Ouais. Il y a le sperme. Ouais. Fred, il a pris les bonnes. Ouais, absolument. Bonne idée. On aime les animaux, je suis pour les actifs, bien évidemment, parce que les deux en ont besoin, on les bouffe. C'est merveilleux comme histoire. C'est vraiment terrible. Mais je sais pas, tu peux pas bouffer n'importe quel dessinateur. Ah non, vidéo. Moi je suis pour la vie des bas, car les étoiles filent et les bas aussi. Est-ce que vous pouvez répéter un peu? D'accord. Ah, tu vas bien? Ouais. Voilà. Il faut monter vide et haut. À vide et haut. C'est un zadiste lui aussi, il est venu prendre des gaz lacrymogènes dans la gueule aussi. Zadiste et... Oh là là, il y a quelqu'un de très dangereux là. Mais qui c'est ce mec là? Qui c'est cet enfoiré? Un agitateur. Attention aux provocateurs. Ça va? Non, là je l'ai pas. Tu sais, j'ai fait un film en 69, 10, qui s'appelle Attention aux provocateurs. Ah ouais? Avec Serge Le Féron. Ah ouais? Attention aux provocateurs. Bonjour. Bonjour. Terrible, c'est par rapport à les gardes d'Algérie. Bon, allez, personne n'a de quoi faire une cigarette améliorée là. On peut le voir? Hein? Oui, c'est Isabelle. Mais oh, JH, t'habites toujours à Paris ou tu es à Toulouse maintenant? Non, j'habite à Najac.
Ah, ok, Paris, c'est fini. Ouais, Paris, c'est fini. C'était la ville de mon... Ça m'intéresserait. Même pour derrière. Bon, je cherche une cigarette améliorée, là, qui peut m'aider. Il faut que je m'excite. N'ayant plus qu'un neurone, j'ai besoin de... Il y a de l'élan, quoi. Il y a des brosseurs de l'époque, ils commencent à parler de la pollution, on meurt, etc. Il n'y a pas de gaz, de menace pour travailler sur les... Alors on a effacé, j'ai effacé ton nom en générique. J'ai eu le plaisir de t'interviewer. Mon côté TV après. Je suis comme toi. Je suis de Lille. J'ai eu le plaisir de t'interviewer pour tes deux films. Quand t'es venu à Lille. Moi le. Et là, c'était les meilleurs. C'est vraiment des grands films. Je suis super content de te voir. C'est on s'est loupé avec Noël à Bruxelles. On avait failli venir. Là, on est. Il y a la NSA là qui est partout. On a des bénévoles là. En tout cas, c'est un M de McDo. Ok. Mais voilà, je suis content, quoi. J'espère qu'on se reprend. Bah ouais, j'espère aussi. Ouais. Allez, on va faire un moment donné, après, on te dira lequel était. Alors, il faut assumer son état de bête. Tu vois, c'est ça, voilà. Et donc, il faut évidemment aller voir les films. Il y en a plein d'autres qui sont hors sélection. Et je pense même qu'il y a cette espèce de gros trans qui jouait dans le film de John Waters. Et donc, il y a Hairspray, Rhyme Divine, et dimanche, il y a une petite passée. Non, pas du tout. Bref, mais c'est un film à Dorama. Tu as une petite carte scratch. Je viens de finir une couve et quelques pages d'album photo pour une intégrale Flûte Glaciale qui sortira en décembre. Et après, j'attaque un gros boulot sur le troisième et dernier tome des Voisins du 109, chez le Lombard. Voilà, petit immeuble avec plein de gens dedans. Ok. Parce que c'est la rentrée des BD en ce moment. Ah, septembre, de toute façon, c'est la rentrée autant littéraire que BD. Mais ouais, c'est même un peu énorme. Faut voir que les libraires ont des problèmes de dos en ce moment à cause des cartons de bouquins à porter. Et c'est beaucoup moins le must de la littérature. Ça m'intéresse beaucoup moins, je te parlais justement des libraires BD que j'aime eux, parce qu'ils me vendent et qu'ils me reçoivent quelquefois. Mais bref, c'est surtout que là, ouais, il y a vraiment énormément de choses et du coup, ils s'y pètent tous le dos. En règle générale, la production BD, c'est 15 albums par jour dans toute l'année. Donc là, ouais, ça fait... Et là, il y en a une grosse partie en ce moment. Bon, c'est tout confondu avec les mangas, etc. Mais pour les libraires, ça fait mal au lombaire. En plus, ça va. Alors, merci, Père, pour rester avec nous. Tom, tu peux mettre la petite musique que je t'ai passée. Je voulais rendre un petit hommage. On va voir le techno maintenant. Non, pas tout de suite. C'est vrai. Donc 20 ans après. Quoi. Elle est invitée officielle du festival. Je suis invitée. J'accompagne. Elle est écrivain. Écrivain et actrice de cinéma. Arrête. Voilà, elle est filmée. Voilà. Tu sais pas où est Noël Goudin ? Il a pas croisé. Noël, il est à la Cinémathèque. En ce moment ? Oui, il a présenté un film et puis il reste le film ? Je sais pas. Attends. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Tout est en commande, mais il manque des choses. Noël, il sera là pendant la piste. Et puis vous avez droit à deux places pour John Waters. Et donc, il y a un temps
Spray, très bien. Tu viens aussi? Non. Moi je vais rester dans le coin parce que du coup je présente la séance de 19h parce que lui il a une séance, la séance est à 19h donc je peux pas présenter. Et de nouveaux sauvages à voir. Donc je vais recevoir le public en expliquant du coup que tu viendras samedi. Que je viens note 19h15 samedi. Bien sûr. Oui, oui, tu as dit qu'il vaut mieux que je note. Oui. Je vais être bon et du coup on fera comme ça. On s'est vu il y a 10 ans pourtant. Mais tu peux te permettre d'aller jusque-là pour permettre d'aller voir un petit verre. Absolument, oui, avant. C'est tout vers ici. Pour nous. Vous avez ouvert un vernissage direct ouais, hein, ouais. À l'hostal d'Occitanie, qui est rue Malcusina. C'est, tu prends la rue Saint-Rome, et avant d'arriver à Esquirol, c'est sur la droite, une toute petite rue. Ah oui, c'est, non, là-dedans. Je vais faire ça tout de suite. Allez, on fait ça tout de suite. Sinon, tu as eu des. Et sinon, il faut que tu tickets pour voir. Vous amenez avec nous. Sinon, il faut que je prenne des nouvelles de. Voilà. Peut-être aussi de Giroud, toi tu es au courant pour Joël Seria ce soir. Alors, je ne suis pas au courant, bon, je viens de le croiser, mais c'est tout. Okay, bon, bah, je vais appeler Giroud et je voulais voir Jean-Pierre aussi. Jean-Pierre, il va au vernissage. Ouais, ouais. Laura, d'accord. Oui, je sais, mais je l'ai dit. Jacques Demi, Giroud à la maison. Comment on fait si Bruno n'est pas là? Comment tu veux que ça? Laura, à coquiner avec. Bon, mais on y va peut-être. Ben, on y va alors. Ouais. 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 Alors, parce que ça, vous avez revu, on était ensemble. Et Laura Tadic, je souhaite te voir intervenir dans un film dont j'ai écrit le scénario, où j'aimerais que tu envoies une tarte à la crème dans un certain Bernard-Henri Lavy, qui est philosophe. Oh, ça coûte très très cher, hein, envoyer les tartes. Un monsieur qui s'appelle BHM. Mais B-A-C-H-E-M. Bien. Ah bien, bien. Oui. C'est très formidable, non? Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que Noël Godin est devenu très 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 cher maintenant. Oui, mais... C'est ça le problème. Mais pouvoir entarter deux BHL à 15 000 ans d'âge de différence, ça peut être bien. Entarter quelqu'un d'il y a 15 000 ans, oui. Ce serait quand même une bonne idée. J'ai l'impression. Ce serait quand même fabuleux d'arriver dans le passé, d'entarter un grand philosophe. Le plus grand des philosophes. Et surtout un grand philosophe en plus qui se sent tellement grand qu'il se rajoute des semelles compensées de 20 cm qui s'arrondent pour paraître encore plus grand. Je suis comme Barbie en fait. Je suis la poupée vivante. C'est ça. Le majordome dit un peu l'ambiance. Oui, d'accord, Duvivier, d'accord. Duvivier, tu connais Jean, Jean-Claude Duvivier. Le fils de François Duvivier. Tu sais qu'il y avait un autre cinéaste qui s'appelait Duvivier dans les années 70, qui était directeur du Seine Cinéma. Éric Duvivier, et il avait fait quelques films, notamment un film sur la folie d'après des textes de Henri Michaux. T'as pas connu t'as... Et donc, dans les années 70, il était directeur du Seine Cinéma, et il programmait notamment ce film-là, et il programmait plein de films intéressants, il avait une très belle programmation. Éric Duvivier, mais je pense pas qu'il avait un lien de parenté avec Duvivier. Non, mais tant qu'à faire, on va monter l'association de réhabilitation de tous les Duviviers de la Terre, si tu veux. Mais tu sais qu'à Lyon, il a une rue Duvivier. Je l'ai filmé la rue, parce que j'ai fait un inventaire de toutes les rues de Lyon. D'accord. Oui. D'accord. Ça vaudrait le coup qu'on fasse un truc sur
Non, mais attends, un grand programme de réhabilitation du vivier, tu vois. Alors, toi et moi, voilà un projet à faire ensemble. Voilà un projet de groupe, si tu veux. Non, mais attends, toi et moi, on fait un programme de réhabilitation du vivier. On demande la Légion d'honneur pour du vivier. Non, mais il y a pire que ça. On demande un César d'honneur à titre posthume pour du vivier. J'ai une amie qui me dit, je vais faire un bouquin sur Orson Welles. Ah bon? Je lui dis, mais pourquoi sur Orson Welles? Tout le monde fait des bouquins sur Orson Welles. Et je lui dis, pourquoi t'en ferais pas un sur du vivier? Oh, l'idée est géniale, mais j'ai déjà signé mon contrat. Ben, Orson Welles avec Ingmar Bergman, ce sont les deux seuls cinéastes qui disent, mais ils l'ont dit à plusieurs reprises, qu'ils doivent tout à Duvivier. La mise en scène dans La profondeur de champ, c'est pas Orson Welles, c'est Duvivier. Et tu vois les films des années 30 de Duvivier, il met en scène dans La profondeur de champ. Et Orson Welles n'a jamais prétendu être l'inventeur de la mise en scène dans La profondeur de champ. Hein. Orson Welles a toujours dit, je dois tout à Duvivier. Et il doit tout aussi à Sacha Guitry par rapport au travail sur la voix off. Qui m'accueille ici ce soir au milieu de ce festival groenlandais. Je remercie Gérard Trouillet qui est l'homme omnipotent et monsieur de la Sarge. D'habitude on y est potent. Alors surtout d'être dans ce magnifique hôtel que je croyais Renaissance mais qui en fait est gothique. Alors tant d'années nous survolent. Bon, alors comme je l'avais peut-être expliqué à certains d'entre vous, je veux faire l'inauguration de cette exposition comme une petite visite guidée. Car de nos jours, les artistes doivent faire dans tous les genres. Ils portent de nombreuses casquettes. Alors justement, à propos de casquettes, je vais en mettre une. Comme ça, vous allez pouvoir suivre le guide. Alors, excusez-moi, mais le fait de parler, ça donne soif. Alors, un petit peu de carburant et on va commencer. Là, ça fait artiste tout de suite. Ah oui. Et puis, change tout. Et comme ça peut faire occitan. Tout à fait. Voilà. Ah oui, j'aime beaucoup le béret parce que c'est une coiffure très plastique. Alors, c'est dans un esprit d'interdisciplinarité que je me présente à vous ici ce soir. Alors, nous commençons par cette première œuvre, qui est une toile peinte à l'acrylique, et qui a pour titre Poursuite. C'est assez évident. Alors, avec cette toile, l'artiste se propose de vous conduire dans une contrée un peu surannée, délicieusement désuète, un de ces lieux oniriques, rempli de mélodies où s'ébattent des amours aux ailes un peu mitées mais jolies tout de même. Le pays de l'idéal nostalgie qui fleure, bon, l'eau de Cologne et le chèvrefeuille. Alors, imaginez pour vous remettre dans ce pays une chambre sous les toits, un livre de poésie symboliste posé sur le marbre de la table de nuit, par la fenêtre mansardée. Un rayon de clarté lunaire éclaire le visage d'une jeune fille. Cette jeune fille, c'est votre arrière-grand-mère. Elle dort, mais son sommeil est agité. Est-ce la lumière de la lune ? Faune aimable est là qui lui sourit. Chut, ne faisons pas de bruit, surtout ne la réveillons pas. Ou plutôt si, réveillons-la. Par ici, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Venez autour de moi. Alors, quoi de mieux pour la réveiller qu'un clairon? Voilà bien l'instrument qui va la réveiller. Alors, c'est une gravure sur bois, en bleu et rouge, sur fond blanc, ce qui nous donne nos couleurs nationales. Pardon. Et alors, ce qui tombe à pic pour évoquer le fameux poème éponyme, c'est-à-dire le clairon, qui est un poème de M. Paul Déroulet, dont on a fait une chanson que je vais vous interpréter. Attention, écartez-vous, ça se danger.
L'œuvre est plus grave, t'es large, le clairon sonne de la charge, les oies vont chantant, et là-haut sous la colline, dans la forêt qui domine, le Prussien les attend. Le clairon est un vieux brave, et lorsque la lutte est grave, c'est un russe compagnon. Il a vu maintes batailles, et porte plus d'une entaille, depuis les pieds jusqu'au front. On court, on grimpe, on arrive, et la fusillade est vive, et les Prussiens font à droite. Lorsqu'enfin un cri se jette, en marche à la baïonnette, et l'on entre sous le bois. À la première décharge, le clairon sonnant la charge tombe, frappé sans recours, mais par un effort suprême, menant le combat quand même, le clairon sonne toujours. Il est là couché sur l'herbe, dédaignant blessé superbe, tout espoir et tout secours, et sur sa lèvre sanglante, bref, on la trompette ardente, il sonne toujours. Puis dans la forêt pressée, voyons la charge lancée et les oies bondir. Alors, le clairon s'arrête, sa dernière tâche est faite, il achève de mourir. À propos de Clairon, je vais en jouer un petit peu là. Quitte l'Alsace pour monter à Paris et ne pas devenir prussien. Donc l'Alsace est pour lui le paradis. Perdu, nous l'avons perdu, cette plaine au sol joyeux, si douce au cœur, si belle aux yeux. Ah, la revoir un jour, cette terre de vertu, où repose et pleure une chère ingénue. Toi que nous chérissons, attends notre retour, mais n'en parlons jamais, et pensons-y toujours. Déjà vers le Rhin, le soir tombe des nues, et le soleil se lève à vos pieds. Vous êtes si jolie. Bon, mais comme c'est la parité, il faut bien qu'il chante pour la bonne aussi. Alors, furtive, hésitante, à l'oreille de la forêt, chère adorée, dites-le-moi que cherchez-vous, petite brunette aux yeux doux. Est-ce le frisson du mystère, tendre à mourir et qu'il faut taire, et n'avez-vous pas perdu l'eau, petite brunette aux yeux doux. Alors, c'est à ce moment-là. C'était où? Ah, à Danou. T'as loupé là-bas, bon sang. Donc c'est entendu. Ah bon? Et c'était. Bon, je suis excité. Alors, maintenant, nous sommes au moment de la convergence. Nous sommes ici dans l'hôtel de la convergence occitane. Donc, un ami, Yves Josseau, m'a fait quelques poèmes sur ses gravures. Je vais les dire en français. Et notre ami Marcel Girbon, il est là. Voilà, qui a eu la famille. Et m'entraîner au candy. À me faire beau effet, une grande aile de père, sentis le suspect de las caras arradivos. Bravo. C'est harmonieux. Alors, oui. Alors, nous passons à Carconce,
C'est un hommage à Degas. C'est d'après une peinture, enfin, très librement inspirée de Degas. Voilà, je vous demande un peu d'attention, c'est très marrant. C'est une simple gravure en noir et blanc, mais ce sont trois personnages que l'on peut qualifier de récurrents. Thank you.
c'est pas grave. Plan C. Hein? Oui, patron, mais bien sûr, patron, ouais. C'est moi votre gérant tout dévoué, oui, d'accord, hein? Oui, oui, Francis, la saucisse, hein? Oui, d'accord, patron, authentique, patron, une vraie foire à la saucisse, oui. Oui, oui, ça va marcher, patron, oui, hein? Je sais, c'est un emploi précaire, oui, patron, oui, hein? Mais ça va marcher, patron, oui. Mais bien sûr, patron, ouais. Et avec plaisir, patron, ouais. J'envoie, je vais donner mon plaqué, il est sexy. Mon rôti! Allez, messieurs, dames, allez, viens! Et puisque je suis le plus beau, grâce à toi, je suis le plus beau, parce que la biche qui m'a pris, la veille de nouvelle saucisse exotique, la saucisse extensible et colorée, 100% cochon, d'aide! Allez, messieurs, dames, allez, mais le client, il est bricolé, Francis. Puis tu sais ce qu'il a bricolé, Francis? Hein? Ah, tu sais pas, attends, tu veux voir. Dis-donc, t'es pas très réveillé, hein? T'es pas très réveillé quand même. Et ben voilà, c'est barbelé. Les ronces artificielles. Comment? Des ronds artificiels. Non, tu t'es parbelé pour les sécurités, ça rime. Moi j'aime bien le rime. Attends, tu vas voir, t'as un petit cadeau. Alors, voilà. Attends, c'est pas fini. Ah, ça tu vas savoir ce que c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? De l'eau de Javel. Exactement. Attends, je vais t'expliquer tout de suite. Regarde, tu vois, parce que s'il mange ça, avant, eh ben, il va s'empoisonner et après il va porter plainte. Alors que s'il mange ça, maintenant, eh ben, il va s'empoisonner. Café! Café! Genre. Thank you.
Il y a beaucoup de choses.
pas de viande, je veux que de la sauce. Ça aurait dû faire gaffe, hein. Aurait le choc est terrible, hein. Aurait dû faire gaffe, le choc est terrible, mais sans choc, on serait... Tant pis, ça ne bouge pas. Ils m'ont préparé, je compte là. Voilà. Il m'en veut. Il m'en veut. Je suis un moustique, j'existe pas. Mes hommes. Ça se vend plus, hein. Il y avait des travaux, je me suis paumé en ville. Non, mais non, c'est un bordel. Non, mais j'ai attendu un quart d'heure, 20 minutes, j'ai pris un taxi. J'ai pas le numéro de téléphone. Mais. Ça y est, c'est fait. Elle a comme ça, parce que moi je t'ai appelé, mais toi à 8h du match, bon, c'était quand même pas. Hein. Tu m'as réveillé hein? Non, tu m'as pas réveillé parce que j'avais mis sur libre. C'est le philosophe qui fait le monsieur qui ne voit jamais ses factures, jamais son courrier. Il préfère bien sûr, il va gagner le combat de la prison à la celui-là. Vous pouvez passer. J'ai prêté effectivement, et l'acquisition a eu lieu, et ils m'ont téléphoné d'un ou deux jours en me disant conséquence par personne. Ah, les cinématons, oui. Ouais. Oui, mais là, ça, c'est pas les cinématons. Oui, plus tard. Ça c'est pour les ce qui s'appelle les carnets filmés. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais filmé la conférence de presse. Ah ouais. Oui, bien sûr. Input detected. Oui, oui. Elle est dans les. D'ailleurs, on la trouve sur YouTube. Alors, le visuel fait figure. Affiche. Est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai. Non, c'est pas moi. Hein. C'est pas vous, vous avez eu J.O., non Michel. Vous, c'est... Non, c'est... non, c'est pas moi. Il va falloir dire que c'est que de ce côté. Non, non, c'est que de ce côté-là. Non, non. Il peut passer, mais c'est... Et qui c'est qui pédale hein? C'est la demoiselle. Ah bah, félicitations, alors. Hein. Alors, à l'hostalité on va aller avec... Je vous indiquerai le chemin, mademoiselle. La rue Saint-Rome. La rue Saint-Rome, tout de suite, là. Comme ici. Ouais. C'est au bout. C'est à 3 minutes. Ah bah, vous êtes beaux, tous les deux, là. Oui, non, comme le pape. Ne bougez pas. Alors, tu vas au bout de la rue Sainte-Ursule, tu prends la rue Sainte-Ursule, tu descends la rue Gambetta et c'est la dernière à gauche. D'accord, mais tu fais un demi-tour du coup. Ouais. Elle peut pas aller dans la rue. Bah, en fait, il y a des blocs. Tu mets des prix là. Ah bah oui, mais je fais un gros plan. C'est bien. Tu fais un demi-tour. Je peux faire un plan sur les jambes. Ouais. Ils sont sales. Est-ce que vous avez le bon braquet, mademoiselle? Oui. Bon, alors, ça va. J'attends qu'on me dise. Ah, bon braquet. Et au fait, vous avez un peu d'argent?
Non, pourquoi Pompéi? Siam. Siam. Non, non, mais c'est la production qui paye. Hein. Ah non, 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 non. C'est Groland qui paye. Hein. Ta gueule. Et comment on fait pour le raquage du braquage, on fait pour payer. Pour raquer, oui. Ben, on va attendre JO ou alors. Je demanderai un ticket et je paierai. Pardon, c'est tout. Je pas vous c'est bon, excellent, merci. Après, la place de la bouche. Je sais pas. C'est pour la sur la cravate. On y va ou on y va? Moi, je peux pédaler, oui. C'est bon, on y va. Allez. C'est quand bravo, bravo! 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 Tu l'as dit, toi ? De quoi ? Le taxi. Tu leur offres le taxi, quoi, en grosso modo. Ah non, non. Tu sais, je leur ai pas dit, mais ça me gêne pas. Bah non, il faut attendre. Ah non, mais c'est drôle, ça m'est jamais arrivé. Ok. T'es sûr ? Non, moi je veux que le festival paye. Ok, tiens, moi je... Ah non, c'est normal. Écoute, bah oui, d'accord. Mais... Donc, t'es témoin, non, hein, ça a été pris. Ouais. Exactement, je suis témoin. Ouais. Dernière fois. Merci. Nadia, on va pas rentrer. Le majordome, bien. Général de Gaulle Rose. Après avoir été poutinomane privé. On a disposition de la fin. Mais non, il y a des discours, il faut annexer. Je sais pas, on me dit rien. On me dit rien, On me dit rien, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle le savait, il fallait lui demander. Nadia, monsieur le Président, je suis Illustra Lucita. Je suis invité de président de l'Occitanie, je suis à la fois pleuré et fier quand même de vous rencontrer. Donc nous allons faire un discours en mots. Mais d'abord, nous allons déployer le tapis rouge. Pardon, excusez-nous. C'est quand même le Groland est ici chez lui. Il est de travers. Honneur au Groland, s'il vous plaît. Il est de travers. Les forces armées occitanes vous font une huée d'honneur. Bas plat, tout bas plat. Bas plat. Déployez le tapis rouge, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Ah, il y a d'abord sous. Isabelle. C'est bon, vous pouvez rester.
Dans la grande cour, s'il vous plaît. Les Amazones. Les Amazones, elles ont une bonne vérité, peut-être, pour votre sécurité. C'est pas la cible. Tout le public dans la grande cour, s'il vous plaît. Oui.
Ça doit marcher, mais c'est pas moins plein. C'est le défilé, j'espère que ça va marcher. Je vois des petits trucs et celui-là, je sais pas. Validé. Ah mais voilà, tu vois. Formidable. Après, je parle de avec la marie comme ça. Bien, voilà. La sécurité, s'il vous plaît, pour le président. Sécurité rapprochée. Oula, attention. Akitsu. Eh bien, Monsieur le Président, maintenant que vous êtes devenu le Président de l'Occitanie, les enfants de la Calandrette vont bientôt faire péter, mais pas encore, avant de faire péter les bouchons, on annonce qu'il y a, une personne qui arrive, je ne sais pas qui c'est, excusez-moi, non, attendez pour les bouchons, attendez pour les bouchons. Les gens Catinou. Le genou, il m'a dit, au revoir. Il y a le gros Hollande qui est en train de prendre possession de l'Ustad Occitanio. Il dit Calana. Alors, il dit le jacuzzi, on y va. Alors, à mi-jour, j'ai préparé une estufette de mongetos. La médecinos, pour le gonfler à bloc. Il m'a dit, tu vas voir ma perlotte cet après-midi, ça va ronfler. On te crée que ça va ronfler. Il est allé se coucher et on l'entend ronfler depuis tiro d'usine. Alors, mais que c'est pas choisi. Où c'est qu'il est le président Gros Hollande? Il est là. Oh, tout à Madrid. Non, est-ce pas ce que ça n'a pas vu. Et non seulement que le jacuzzi est en train de ronfler. Parce que s'il m'avait vu comme ça, quand avons foutu un top de granière sur l'assassino, on avons cargué. Je m'en fous, je comprends rien. Et justement, Péraco, que ne m'en profita. Tiens, alors, vous vous laissez entreprendre comme ça, vous vous laissez envahir, vous vous laissez prendre l'Ustal d'Occitanio. Oui. Et toi, tu as la bouteille de champagne, là. Oui. De la blanquette. C'est la blanquette de Nico. Oui. Et la liquette de Blanco, c'est vrai. Mais c'est pas un abaissement, c'est un jumelage. Oh, si c'est un jumelage. Attends, parce que c'est pas fait, t'es foutu. Et non, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, en politique, pro watch, t'aimes la balle, Jonion. Vous avez vu l'autre, le président, le devoir remplacer. Hein? Okay. Il était en train de faire le discours, il était comme ça. Il a fait l'homme invisible qui devait passer derrière, c'est tout. Alors, mais tu ne profites pas pour passer par derrière. Garde le garde-arène, le choix. Et au garde-arène, on peut ta race. Mantenez le pascal, ton ami. C'est pas du seul service, oui. Faut quand même mettre du vôtre. Je vais pas mettre du mien, Dani. Non, mais on m'a dit que vous étiez un petit peu sympathique, que vous êtes le grand. Et rien que pour vous souhaiter la bonne année, il faut prendre de l'élan. Et, alors, comme vous êtes bien gentil, et que je vois que notre président de l'Ostal est d'accord, et qu'il rigole là, je vais vous offrir un petit cadeau de mes chaussettes. On doute sur le cadeau de mes chaussettes. Il arrive. Ah, voilà. C'est
c'est pour vous, cher, comment se dit, président, qu'est-ce qu'il est ? Le président. Le président. Alors, c'est tout ce qui nous reste, ami José Poirot. Le gouvernement, il nous a laissé que ça. Et les yeux pour pleurer ensuite. Bah, au moins, j'aurais vu votre dos comme ça. Non, d'habitude, nous, on a des... Ça, c'est plutôt des échalotes. Parce que les oignons qu'on a, mais je sais, c'est gros comme ça. Et vous savez pourquoi vous savez... Non, il faut que je vous dise. On a eu le passage du Tour de France une année. Alors, à l'ustat de Minchose, c'est tout à fait en haut, il y a la route qui passe. Et les coureurs, ils se sont arrêtés pour faire le petit pissou. Et alors, comme c'était en haut, ça a fait régagnole, c'est allé dans les jardins où on avait les cèdres. Alors maintenant, on a des cèdres à taille. Oui. On les vend aux médecins de l'équipe du Tour de France, à l'équipe des médecins. Oui. Et alors maintenant, vous êtes passé pour hollandais, vous ? Oui ! Et vous en êtes fiers ? Oui ! Alors si vous en êtes fiers, prouvez-le ! Oui ! Qui c'est qui attaque ? C'est Groland ! Bon, et maintenant, on va chanter le... On va quand même chanter le secondo qui est l'hymne national occitan. Ah ouais ! Avec les communes occitanes, les nègres, tous ensemble, avec le secondo. Pour notre hymne national. Qu'on fasse péter les bouchons et qu'il y a des jeux de fruits, de la banquette, les verres et les rafraîchissements sont au fond de la cour. Et merci aux musiciens. Monsieur le Président. Thank you.
Je t'abandonne, mais avec l'espoir de te revoir. Adieu, bonsoir. Adieu, mon pays, cher mon pays. Je t'abandonne, mais avec l'espoir de te revoir. Adieu, bonsoir. Adieu, bonsoir. Car si notre siestro claro nous admirait, nous admirait, nous parlerait, nous parlerait. Les ondes et l'onge de la laison et l'onde de rime, et l'onde de rime, est-ce la plus belle? Aïe, c'est la photo roulante, qu'on ne travaille pas, ne sera pas sans pour que les enfants nous fassent un grand. Et hop, il est merci, on rentre. Les condamnats, les jours de la baloche, les yotinats, les jours de carnaval. Adieu mon pays, cher mon pays, je t'abandonne, mais avec l'espoir de te revoir, adieu mon sang. Maintenant, je vois que la garde rapprochée, la protection rapprochée, Monsieur le Président va chanter l'hymne grolandais. Oh, alors c'est mieux là. L'hymne grolandais. Voilà. Alors attention, s'il vous plaît, laissez passer.
Et je suis aussi le premier adjoint à la culture de la vérité. Ah oui, vous rencontrez. Bien, je ne voulais pas que ce soit une annexion violente, mais un jumelage plutôt amical. Et je suis ravi que vous ici, que vous acceptiez cette petite allégeance. Voilà. J'ai juste une demande, c'est que vous nous laissiez quand même une petite part de cassoulet, que vous ne preniez pas en parce que ça serait quand même. Écoutez, étant moi-même sujet à des flatulences, je vais vous laisser ma part. En tout cas, on est très heureux que vous soyez là. Au nom du maire de Toulouse, bienvenue. On préfère être invité par vous que par d'autres. Ben nous, c'est pareil. Nous, ça va nous dire. Bravo! 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 La Catinou, hein, la Catinou! Venez deux, la Catinou! Vive Groland! Voilà. J'ai mis la cravate comme il faut. Et... Une déclaration Catinou pour ce moment historique. Oh, et oui, hein, monsieur le maire, je lui ai mis la cravate comme il faut pour pas qu'on le confonde avec le gros Hollande. Attendez. Une petite, petit message pour Jules-Edouard. Et oui, Jules-Edouard, en ce moment incroyable, le jour même où l'Écosse a dit non à la Grande-Bretagne, l'Occitanie vient de dire oui au Groland. Ouais ouais c'est parce que nous sommes des faillots et qu'on est écossais. Voilà, entre les faillots et les faillots, on peut s'entendre. Ouais. Encore un coup à voir. Oui, ben oui, boivons un coup. Boivons. Et tu sais le coup dans l'air, tout le temps. C'est le seul exercice, le coup dans l'air, le jacuzzi est pareil. C'est pareil, le jacuzzi. Non, non, mais il est terrible, ça, le ratafia, le ridicule, ça, il a L'église de la très sainte consommation vient bénir votre humour. Monsieur le Président, je vais la bénir à elle plutôt que lui. Non ? Catinou ! Nous vous bénissons. Et Catinou, il t'en faut faire quelque chose. Mais il attire avec une lèvre. Donne-le moi. Il attire avec une lèvre. Il bien le valet. Vas-y là, vas-y. Qu'est-ce que c'est ce mot ? Parce que c'est l'Europe de l'Église de la très sainte consommation. Mon père, c'est ma femme objet. Lorsque vous la relâchez, elle remue la queue. Elle est très, très docile. Et oui, c'est la femme objet. On l'a acheté sur Internet la semaine dernière. Et c'est tout ce que vous avez comme objet. Mais non, évidemment, nous sommes multimilliardaires. J'en ai des tas comme ça. Je pouvais les prêter d'ailleurs au président. C'est la collection. Vous allez être déborgé. Regardez, je déborde déjà. Il reste de la blanquette, approchez-vous de la cette table. Voilà. Que dire, que faire. Mais nous sommes en bonne compagnie, nous sommes ensemble, nous sommes ravis d'être ici. Nous avons une chambre 300 à l'hôtel. On montrera votre assistante. Monsieur, elle s'appelle Elena Dufresne. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Barbie. Je suis comme Barbie en fait. Je suis la poupée vivante. Elena Dufresne. C'est ça. Regarde, moi, tu as la croix. Représentant de l'ancienne église. C'est un blanc, c'est un malo. Juste un blanc. Les beaux extraits du bouquin, tu peux pas savoir. Elle dit, quand il est dans, il me caresse la joue avec un râteau en peste. Etc.
Gallimard. En Gallimard Poche, là, il y a deux trucs formidables qui sont Arthur Rimbure et puis Ridiculum Vitaeum. Ouais. Et puis, il continue à avoir des titres flambants chez Gallimard, comme par exemple Poète Bain-Couy, Poète Bain-Knou. Le dernier s'appelle Un jour je serai prix Nobelge. Où est lui là? Sodome et grammaire. Sodome? Sodome et grammaire. Parce que comme tous les Wallons, tous les Riches, les plus vieux, les férus de la grammaire, de la langue française. C'est magnifique parce que c'est très différent, mais la manière dont tu le fais, ça me faisait penser à des tirades de Valère Novarina. Oui, c'est très différent, mais il y a quand même une parenté. Mais Jean-Pierre a contribué à faire connaître Valère. Ah ouais? Il est trop bien d'avoir édité avec TXT. Oui. Ah oui, c'est pas. Et notamment dans le monde accusé, il y a un acteur qui est un acteur génial, qui est décédé de la Comédie française, qui avait dans l'opérette imaginaire. Le SMIC. Daniel. Il a connu Daniel SMIC. Et là, il avait une tirade. Il y avait tous les prénoms. C'était extraordinaire. Et là, tout à l'heure, j'ai revécu dans ce que tu connais ce moment sublime de Daniel dans les prises de Valère Novarina. C'est de la même. On sent formidable. Il va être content. Ah ben, tu lui fais un gros bisou. Bernard Noël, par exemple, qui ne fait rien d'autre que l'écriture, eh ben, quand il travaille, personne ne le paye. C'est très difficile de vivre, de truander par les éditeurs, en plus. Mais non, mais il n'a aucune vue. Et comment il a vécu? Il vit avec très peu, Bernard Noël. Il vit avec très peu. Alors, surtout, il arrive à... Il fait beaucoup, par exemple, de les alliances françaises, ah oui, d'accord, des résidences, ça oui, des résidences, 15 euros de fille, etc. Ouais. Mais il dit quand même, petitement, une anecdote incroyable. À un moment... Ça va? T'es en train de filmer mes points noirs là? T'étais où alors aujourd'hui? J'étais de partout. Hein. J'étais même à la parade. On attend le tonneau de bière. Ouais, je réserve vos places. D'accord. Je réserve vos places. D'accord. On t'en a une. Il y a des sous. Alors, tu vas un coup tout, non? C'est de la bière? La bière aussi, oui. Tu veux quelque chose? Merci. L'œil de cœur. Nous parlons du même Raymond Borde, nous sommes d'accord. Oui, la pensée économique de Staline. Ah, il a fait sa thèse là-dessus. Il était économiste, Raymond. Oui, puis il était Stal au début. Ah ben, Stal, c'est peu de dire, mais il est resté Stal dans son comportement. Et je racontais, on s'est fâché à ce moment-là. D'ailleurs, il m'a viré de la cinémathèque à ce moment-là. Après, je suis rentré une fois qu'il a disparu. J'ai eu la malencontreuse idée. Je m'étais engagé corps et âme au moment où il y a eu la controverse sur le film de Mirko Turica Underground. J'avais répondu à ces connards de Bernard-Henri Lévy et de Finkielkraut pour défendre le film de Turica. Et Emir me fait l'amitié de venir faire la présentation au Gaumont en avant-première. Donc j'invite évidemment Raymond Borde. Et Raymond, à ce moment-là, était complètement, comme beaucoup de gens, carbonisé, avec des crampes mentales, qui étaient le discours de Bernard-Henri Lévy, qui avait décidé, au niveau zéro de l'intelligence politique, qu'il y avait les méchants serbes, et que les autres étaient des gentils musulmans. Oui, et donc, Raymond était dans ce schéma à la sortie du film. Pendant la guerre de Bosnie, où le préfet m'avait dit « Vous êtes fou, si jamais ça tourne mal, vous en porterez la responsabilité. » Il y avait des mecs qui
organiser des manifs, etc. La séance est finie, au moment, j'attendais, moi, parce que c'est moi qui avais invité les gens, etc. Émir m'attendait dans le bistrot à côté. Raymond sort, il m'a insulté publiquement, il m'a traité de tous les noms, il m'a dit que plus jamais il n'accepterait de faire un bout de chemin avec moi, qu'il s'était fait instrumentaliser, alors qu'en plus le film d'Émir n'est pas du tout un film militant, contrairement au Bosna de ce connard de BHL, et il a fallu plusieurs semaines pour que sa femme et puis des amis, qu'on connaissait peut-être Kadar et compagnie, bon, j'ai été, ça s'était calmé. Mais sur le coup, si tu veux, la manière dont il t'envoie un anathème, c'était des vieux réflexes de l'époque. Je me suis dit, putain, j'aurais eu un procès de Moscou. moi, dont le père a été maire et conseiller général communiste, chassé du parti comme un chien. C'est-à-dire, moi, j'étais adolescent, j'ai vécu le procès de Moscou en Tarn-et-Garonne. Et là, quand je vois Raymond qui me fait un coup pareil, mais il ne peut pas imaginer ce qu'il m'a dit. Il a fallu que ça te tombe dessus. Ah ouais. Après, il m'a fait chasser de la cinémathèque. Pourquoi? Parce que c'est un truc de fou. J'étais déjà. Il était parano aussi. Vice-président. Et donc, il s'est imaginé que, à l'époque, le maire était bouddhiste de droite. Comme tout le monde sait que j'étais de gauche, il m'a accusé, ce qui était complètement ridicule, d'être un sous-marin du Parti Socialiste. Or, je le dis face caméra, tout ce que je déteste le plus, c'est le Parti Socialiste. Depuis très longtemps. À la limite, je préfère la droite qui se donne pour telle, pour ce qu'elle est, parce qu'au moins, elle n'était pas dans un rapport, effectivement, d'ambiguïté, que la fausse gauche des socialistes aujourd'hui. Ah, t'es pas un fan de Guy Mollet et de François Hollande, non. Attends, c'est marrant parce que je viens de finir un bouquin. C'est marrant que tu dis ça, parce que je compare précisément l'un à l'autre. Bah, je oui. pense que le PS aujourd'hui est dans la situation de la SFIO à l'époque. Oui. Oui. Et oui, que oui. De même que la SFIO oui. est morte, eux, là, ils vont mourir. C'était pas une boutade. Tout à fait d'accord. Non, c'est pas une boutade. Hein? Et alors je passe du sujet à l'autre. Ça, donc, ne me filme pas le jeu. Je coupe. Non, socialiste. Comme c'est ton choix, c'est lui qui va gagner quand même. Mais... Et par contre, vous savez, l'impression. J'ai même pas la peine. Il y a bien longtemps. On va quand même pas faire chier. Non, mais attends, si Bouygues n'est pas d'accord. Que petit quinquin allait rappeler la mise depuis le début. Mais nous sommes trois à détester le. Moi, je ne donnerais pas. Attends. Il en a si peu besoin de toute manière. Ça doit être fantastique d'être dans un jury avec Boudou. Tu n'as même pas besoin de parler, quoi. Il fait toutes les questions et les réponses. Elle est très très grave. Elle est vraiment marrante. Moi, j'attends les deux. La dernière, je l'avais. On est en pays grolandais, en fait. Grolandisé. On se rend bien compte que la démocratie, c'est... C'était vraiment génial, parce qu'elle défendait... C'est old age. C'est qui a la plus grande gueule, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je regardais deux fois, donc... Je vous présente la démocratie. Je vous présente la démocratie. C'est la démocratie, lui, tout seul. Joey, qui était là avec cette émission radio, c'était totalement insensé, cette conférence de presse. Ah oui, non, mais là, c'est... Il y a des gens qui croient que ça a été organisé par Groland. Non, mais c'est fou. Ouais, c'est énorme. Je vais penser que c'était la meilleure thérapie. Elle se trouve handicapée mentaux. Quelle âme. Non, mais ouais, c'était bien parce qu'il y avait 40 questions. Pour la radio, avec la pression... Et bonne semaine, alors c'est... Oh putain. Et de vraies questions, bien ciselées, bien pensées, oui. Ah non, c'est les vrais journalistes n'ont pas osé poser des questions. Je suis épaté par la qualité des autres. Tout ça avec cette question à la fin d'un Américain à propos de Netflix à la fin, mais c'était encore plus improbable. T'avais carrément... Enfin, je sais pas, c'était dingue. Que pensez-vous de la guerre en Irak? Totalement dingue, c'est tout. Moi, je crois que c'était un fake, enfin, un mec, un acteur à la fin. Non, c'est vraiment...
discute avec lui, c'est, il bosse vraiment pour tuer Washington Post et tout ça, quoi. Il est là. Pourquoi, comment, comment il est arrivé là? Il bosse, il est basé ici à Toulouse et il s'occupe de, des sujets qui pourraient intéresser les Américains. Mais... Non, c'est pas une c'est ça. Oui, je suis pas trop d'un photographe. Ouais, je vais faire tout. Oui, oui, c'était bon. J'ai pas marqué le paradis. Non, c'est pas non plus un signe. Si, ils ont le truc rond. Oui. Mais et en parlant de chapeau, je vois leur tuer. Je ne sais pas. Si. D'être là tous les ans maintenant. Bah, c'est super bien tout ça. Je pense que l'année prochaine on va pouvoir leur piquer du pognon pour qu'ils soient là. Il faut mieux plutôt voir là vers là. Avec un petit welcome. Avec la main gauche avant. Ouais, voilà. Ferme. Ferme. J'appuie juste après toi, t'as remarqué. Ouais, c'est super. Donc, bah, je ne peux pas passer quoi. Mal. On va refaire un petit coup, tu crois que tu le fais ici. Voilà. Pas mal. Voilà. Tout ici, tout le monde sera parfait. Là, barre de l'expression. Oui, tu fais... L'année dernière, tu faisais la chouette, hein. Chouette. Ouais, tu faisais une tête, on aurait dit une chouette. Hein. C'est bon. Le. C'était le. Le hibou. Le hibou. Voilà. Et on faisait le welcome. Voilà. Ce que j'aimais beaucoup dans la fiche de cette année. Ouais. Enfin, vends-moi ton corps, vends-moi ton corps. Les photographes. C'est ça. Hein. Oui, je ne suis pas trop d'un photographe. Ouais, je vais faire tout. Oui, pour la maison de retraite, elle sera bien. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Oui, on peut en faire quelques-uns. Par où te dire, je te fais une série. Ah, ouais, ça va. Attends un petit peu. Au piano, peut-être. C'est blanc, il est pas mal. Hein. Si on a le piano de John Lennon. D'accord. Oh, putain. Non. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient le chercher, qui lui dit on te demande dans la chambre à côté. Si... Donc, il se pointe, et dans la chambre, il y avait affalé sur le lit Elton John et George Harrison.
Je dis, c'est toi qui connais le répertoire machin. Il dit, ouais, ouais. Ils lui ont fait chanter, c'était quoi? Ah, je ne sais plus. Une vieille chanson du répertoire français, d'opérette, tu sais. Ouais. Et Mombouxou qui leur a fait un concert. Et après, Elton John a donc dédié son concert. Il a dit, je dédie ce concert à Jean-Pierre Bouxou. Oh, putain. Ah, la vache. Voilà. Allez, on est parti. En fait, tu vois pas le piano du tout là. Si, si. Ah bon. Tu les touches, c'est tout. D'accord. Je sais pas si c'est intéressant. Ça fait chier, ce bruit, ce faux bruit d'appareil photo, c'est un pénible. Est-ce que tu sais quoi? Ah, ou tout. Un sens. Tu peux se faire? Allez-y, les gars. Ils sont chiants. Bah oui. Satiricon. Non, mais c'est pour les concerts. C'est pour les concerts. C'est voilà. C'est pour les couleurs. Bon. Ça vous fait l'affiche l'année prochaine. Voilà, là t'es dans de la vidéo là. Ouais. Ah parce que ça tourne. Bah bien sûr. Et maintenant il y a du son. Ah bah là il y a du son. Ça c'est les carnets filmés ça. Ça a toujours existé les carnets filmés. C'est pas cinématon. Ça c'est pour le carnet. Et une nouvelle apparition dans le carnet filmé. Perrier, non, mais c'est Perrier. Moi je viens de 2000. Ah, voilà. Ça y est, on s'est reconnecté là. Jean-Pierre Bouixou a connu, je sais, un Beatles. Il a connu un Beatles. Deux. Et moi j'ai filmé un Beatles. Ah ouais. Dans mon premier long métrage, il y a John Lennon et Yoko Ono. Vous avez connu comment? Lennon à Cannes en 70. Vous avez filmé un joint avec lui. Tu veux dire avec qui? Attends, Jean-Pierre. Ah bah oui, c'est moi. Joint avec Lennon. Et George Harrison rencontré un peu plus rocambolesque comment? Bah c'était avec de l'acide. Pas avec de l'acide, mais avec d'autres substances aussi ici. J'ai quand même passé une nuit dans une suite de tel genre de ça, bourré de champagne, de hashish, et surtout ma foi de cocaïne, à chanter en boucle tous les airs de l'auberge du Cheval Blanc, qui me plaît, avec, je vais laisser partir. C'est un grand moment là. Avec deux fans. C'est marrant ce qu'il raconte sur Lennon, parce que moi j'ai. Alors c'est pas moi qui étais l'opérateur, ouais. Mais c'est un opérateur de mes amis quand j'étais un jeune. Jeune futur cinéaste, j'étais lycéen, qui était allé à Cannes parce qu'il devait filmer quelque chose à Cannes. Et donc à qui j'avais demandé de filmer un certain nombre de choses pendant le festival. Donc j'avais donné un cahier des charges et il m'a ramené des images. Il m'avait ramené 6 minutes de 16 mm et il m'avait filmé John Lennon et que j'avais intégré dans un long métrage qui est un long métrage très expérimental que j'ai fait. Pendant toutes les années 70, que j'avais terminé en 77. Et donc j'ai John Lennon, c'est pas moi qui tenais la caméra, mais il y a bien John Lennon et Yoko Ono dans mon film. Et donc c'était dans le même festival. Ça c'est génial, ce qui arrive. Moi je savais même pas là. Je savais pas qu'il avait. Alors 29 ans, hein, 85-2014. Et maintenant c'est de l'eau. Thank you.
Comment frère, regarde, tu es la flamme, regarde. Vous avez ma petite spliff, mais c'est pas grand chose. C'est homéopathique. Pour les gens qui ont une hépatite C, comme moi, la maladie de Crohn, comme moi, c'est homéopathique. Et là, c'est Jean-Charles U, l'homme qui a fait la bienne du Seigneur. Qui l'a commis. Qui grenondait. Et mange tes morts, man. Voilà, quoi. Et un vrai. C'est des vraies rencontres. C'est pas des rencontres chez Armédia, là. Et les mecs, je vais des gitans. Je vais voir Elisabeth Tanner ou Dominique Besnéard. Ah, trouvez-moi des manouches. Et on va faire un film, tu vois. C'est du vrai, quoi. Voilà. Quoi. Et ça, c'est bon. Moi, je filme du vrai, tu vois. La à la santé de ceux qui le méritent et tous les autres peuvent crever. Ils mangent leur mort. HPG hors programme. Le père était routier, la mère malade, tout ça, le gosse était placé. Moi ça va, j'ai quasi dormi. On a fait de faire la fête avec le quasi-dormi. Est-ce qu'il y a assez pour qu'on prenne le risque? C'est fini, hein. Tu peux le fumer aussi. Emmanuel Godin est étonnant. Oui. Tu vas couper ça. Tu vas couper ça. Ah mais t'enregistres. Ah mais là, mais c'est là. C'est. Attention. C'est sûr. Il est presque étonnant, mais il a un tel charisme. C'est une mauvaise vanne. Est-ce que je suis con? Mais tiens, en même temps, je suis pas payé non plus, donc c'est pas gênant. Mais là, moi, je suis payé. Non plus. T'as arraché. Non, mais essayez de les encaisser, ça pourrait être drôle. Bruno compte encaisser le sien. Parce que Caïman. Et pour tes plaintes, si jamais. Putain, mais ça fait chier ce cas, je suis tout seul. Ah. J'adore ça. On va voir nos prénoms. Ouais, tu bosses chez SNS. En même temps, j'ai mon planning. Est-ce que tu as vu NPE?
Cette scène est géniale. Et quand il dit, tu sais, quand il part dans un délire philosophique, à un moment donné, il dit, je parle trop, je ne me suis pas assez. Non, mais en plus...